Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 est la suite directe du film sorti en 1982, réalisé par Ridley Scott. Ce dernier est aujourd'hui producteur de la nouvelle version et donne donc la mise en scène à Denis Villeneuve. Blade Runner 2049, le scénario, c'est vraiment une suite et un prolongement du premier film. Bizarrement, la suite est plus proche du roman de Philip K. Dick que le précédent film. Rappelons-le que le livre, ça a un titre vraiment génial. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est rien que le titre, ça fait fantasmer. Et donc le second film est bien plus proche. Pourquoi? Parce que dans le premier film, le personnage de Descartes, il ne savait pas. Il y avait toujours une ambiguïté. Est-ce un réplicant ou un humain? Eh bien dans le second film, alors je vais spoiler, mais on le sait dès les 5 premières minutes du film, le personnage de Ryan Gosling, eh bien il sait qu'il est réplicant dès le départ. Et donc sa mission, c'est aussi un Blade Runner, et il doit aussi éliminer d'autres réplicants. Comme pour le premier film, la suite, là encore, c'est un véritable choc esthétique. C'est magnifique, c'est sublime, enfin c'est vraiment une œuvre d'art ce film. Et on le doit beaucoup au chef-op de ce film, Roger Deakins, qui a fait là un travail vraiment extraordinaire. Les couleurs sont saturées, enfin il y a vraiment une vraie ambiance. Une grande force de ce film passe par cette esthétique. C'est vraiment un film sublime et il est évident que Roger Deakins mérite l'Oscar. S'il ne l'a pas avec ce film, je ne vois pas avec quel autre il pourrait l'avoir et je ne vois pas quel film cette année pourrait surpasser Blade Runner 2049 au niveau de l'image, quoi. C'est tout simplement sublime. Il y a un travail au niveau des éclairages, les décors, enfin, c'est vraiment une œuvre grandiose à ce niveau-là. C'est une merveille visuelle. Comme je l'ai dit, Blade Runner 2049, c'est vraiment un prolongement du premier film. D'ailleurs, avant de voir le second, je vous engage vraiment de revoir le premier. Sinon, il y a beaucoup de subtilités, des choses qui vont vous passer. Vous allez comprendre l'intrigue, mais il y aura beaucoup de choses subtiles que vous ne percevrez pas probablement si vous n'avez pas vu le premier film. Et là, donc, il y a toutes les thématiques du premier qui sont, à mon humble avis, encore plus développées dans le second. La quête de qui suis-je, qui est mon créateur, la recherche de l'humanité, c'est quoi être un humain, la recherche de la conscience, il y a tout ça dans le second film, et à mon avis, c'est encore plus développé que dans le premier, puisque, je le rappelle, le personnage principal, c'est dès le départ qu'il est un réplicant. Et donc, on suit plus ou moins dans ce film sa quête vers l'humanité. Hein, c'est quoi être humain? C'est peut-être ça la thématique centrale du film, et c'est sa quête, ça raconte sa quête, jusqu'à qu'il rencontre, comme vous le savez, le personnage de Descartes, interprété par Harrison Ford, qu'on voit vers la fin. Rappelons-le, le premier film est sorti en 1982, et à l'époque, la robotique, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'était vraiment à ses débuts. C'est pour ça que le film de Ridley Scott était à ce point visionnaire. Le second film, c'est pas pareil. L'informatique a envahi notre quotidien et même l'intelligence artificielle, rappelons-le, c'est même dans votre smartphone, Siri, OK Google, tout ça c'est de l'intelligence artificielle. Et donc forcément, il devait intégrer ça dans le nouveau scénario. Et ils ont eu une idée assez géniale, je trouve, de raconter une histoire d'amour entre un réplicant, donc toujours évidemment incarné par Ryan Gosling, une histoire d'amour avec une intelligence artificielle. Et vraiment, vous imaginez l'audace, quoi. Une histoire d'amour entre un androïde et une intelligence artificielle. Et ce qui est fou,
c'est que ça fonctionne. On est même ému par cette histoire. Et l'intelligence artificielle est incarnée, je trouve, formidablement par l'actrice Ana de Armas. Ana de Armas? Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ana de Armas. Dites-moi dans les commentaires comment elle s'appelle. Ana de Armas, je crois. C'est son nom. Et elle est extraordinaire dans ce film. Elle personnifie avec à merveille cette intelligence artificielle. Et il y a une scène dans ce film, peut-être la plus belle scène du film, où il y a une scène de sexe entre elle et le réplicant. Évidemment, le réplicant ne peut pas la toucher, hein. C'est une intelligence artificielle. Donc il y a un troisième protagoniste, c'est une prostituée qui va se servir tout simplement, ça va être le corps de l'intelligence artificielle qui va se synchroniser avec elle. Et c'est vraiment une scène magnifique, d'une très grande poésie, d'une très grande intensité. Ça rappelle bien sûr le film R de Spike Jones, et c'est vraiment une scène merveilleuse. Comme je l'ai déjà dit, Blade Runner 2049 est mise en scène par le cinéaste canadien Denis Villeneuve. Et visiblement, Ridley Scott lui a laissé carte blanche. Car vraiment, on retrouve tout ce qui fait la force du cinéma, ce cinéaste justement. Alors le film est très lent, comme ses précédents films. Il y a une recherche maniaque de la gestion de l'espace, du cadre parfait. C'est pour ça qu'on compare souvent ce cinéaste à Stanley Kubrick. Ils ont cette même obsession quasi géométrique de l'espace. Et au niveau des thématiques, tout ce que j'ai dit auparavant, la recherche de la conscience, l'affrontement entre le bien et le mal, la recherche de l'humanité, on retrouve tout ça, toutes ces thématiques-là dans l'œuvre de ce cinéaste-là. Et bien c'est également dans le scénario de ce film. Et je comprends parfaitement que ce cinéaste, en lisant le scénario, il s'est dit, punaise, c'est un film pour moi. Toutes mes obsessions, ben, ils sont dans le scénario. C'est pour cette raison que ce film est très personnel. C'est vraiment un film qui s'intègre parfaitement à l'œuvre de Denis Villeneuve. Moi, je trouve ça remarquable. Pour moi, le casting de ce film, il est parfait. Ryan Gosling, qui incarne donc un réplicant, il est parfait. Alors attention, je ne dis pas que je vais me faire massacrer, mais je ne dis pas que Ryan Gosling est un grand acteur, je ne le trouve pas. Je trouve que c'est un acteur qui a une expression monolithique. C'est d'ailleurs un des défauts de La La Land que j'avais adoré. Pour moi, le seul défaut, vrai défaut du film, bah, c'était lui. Et mais là, il est parfait. Justement, le fait qu'il ait cette expression monolithique, justement l'absence d'expression qu'il a dans tous ses films, eh bien là, c'est parfait. Il joue un réplicant, donc c'est crédible. On retrouve évidemment le personnage d'Harrison Ford, le personnage de Descartes, on le retrouve vraiment avec joie et bonheur. Le seul souci, qu'on le voit surtout bah, à la fin du film. Et c'est lui qui donne cette touche un peu d'humanité et d'humour qui manquait jusque-là. Et c'est vrai qu'il faut attendre la fin du film pour qu'il y ait un petit peu d'humour. Je dis vraiment un petit peu, hein, parce que le film est vraiment très sombre, très pessimiste. Hein. Vous n'allez pas rire. Mais voilà, il y a une touche humoristique grâce à lui qui fait plaisir à voir, et voilà, et ça fait toujours plaisir de voir Harrison Ford qui incarne, et on le sent avec une certaine jubilation, bah, le personnage qu'il a fait connaître, comme je pense qu'il a incarné avec jubilation le personnage d'Han Solo dans le précédent Star Wars. Je pense que ça doit lui faire plaisir de revenir comme ça au-devant de la scène, vu son âge, il doit prendre son pied. Le méchant du film, c'est Jared Leto, qui est un peu le cerveau maléfique, on va dire. C'est lui qui est un peu à l'origine de tout ça. On le voit vraiment pas souvent. Lorsqu'il est là, ce qu'il dit est intéressant. C'est un acteur assez charismatique, mais comme on ne le voit pas si souvent, on l'oublie un peu. Pour moi, le vrai méchant du film, eh bien, c'est un réplicant, incarné par l'actrice Sylvia Hoeks. Et alors là, c'est Terminator en femme. Elle est incroyablement cruelle. Elle n'a aucune pitié. Si vraiment vous êtes dans sa ligne de mire, vous avez vraiment très peu de chances de vous en sortir.
C'est vraiment un méchant assez fascinant et qui n'a vraiment aucune pitié. C'est vraiment pour moi vraiment c'est le méchant du film. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah oui, pour moi c'est un véritable navet. Non, je plaisante. Je pense que vous l'avez deviné, j'ai adoré ce film. Pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre. Je ne pensais pas qu'on pouvait réaliser un tel film, un tel blockbuster de 150 millions de dollars avec autant d'audace et d'intelligence, surtout lorsqu'on a vu les précédents blockbusters de cette année comme Transformers 5, La Momie et j'en passe, qui sont loin d'être des films indispensables, c'est le moins que l'on puisse dire. Là, c'est vraiment un film à gros budget qui se démarque, c'est vraiment un vrai film d'auteur, un vrai film qui prolonge avec intelligence le chef-d'œuvre de Ridley Scott. Moi, j'ai adoré. Et vraiment, c'est un film qu'il faut voir sur grand écran, parce que visuellement, c'est magnifique, c'est lent, il y a une certaine ambiance, et je pense qu'on rentre plus facilement en le voyant sur grand écran, on l'apprécie plus facilement que sur un petit écran. Et je pense que voilà, c'est un film qui va perdre beaucoup si vous le voyez sur un petit écran. Donc je vous engage vivement de voir Blade Runner 2049 sur grand écran. Si vous êtes fan du précédent film, si vous êtes fan du cinéaste, je pense que vous n'allez pas être déçu de ce film. Par contre, si vous n'aimez pas ce cinéaste, et surtout si vous n'aimez pas le premier film, si pour vous le premier film c'est un monument d'ennui, je pense que le second, ça va être très dur pour vous, même si, et ça je tiens à le souligner, et ça je ne m'y attendais pas, je trouve le film plus chaleureux. Je trouve que c'est un film froid, hein, pourtant on est bien d'accord, mais je trouve quand même le film plus chaleureux. Je trouve qu'on ressent plus de choses à la vision de ce film. Je trouve que les relations entre les personnages, c'est un peu plus charnel. On ressent en effet plus d'émotions lorsqu'il leur arrive des ennuis, des problèmes énormes. On a de la peine pour eux, on ressent vraiment des choses, je trouve, très intenses pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas du premier film. Donc j'ai presque envie de dire que peut-être que le second film me semble même, malgré sa longueur de 2h40, peut-être un chouïa plus accessible que le premier. Car le film dure 2h40 parce qu'il est lent, il est contemplatif. Mais il faut quand même dire qu'il y a quand même une intrigue policière qui me semble bien plus travaillée que le précédent film. Elle est plus complexe, il y a plus de personnages, il y a plus d'arc narratif. Donc voilà, moi je trouve que ce film me paraît bien plus accessible que le premier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le second est plus ou moins accessible que le précédent film? Dites-moi, en effet, j'attends. Dites-moi si vous avez aimé ce second film ou pas. Bien sûr, j'attends de lire vos commentaires avec grande impatience. Je pense qu'il est grand temps que je termine cette vidéo-là. Je pourrais dire autre chose. Je pourrais dire que je trouve merveilleux la musique d'Hans Zimmer, même si elle est assez différente de la musique de Vangelis, mais j'aime beaucoup là, ce qu'a fait Hans Zimmer dans ce film. Mais c'est trop long. Je vais pas... Sinon, vous allez me dire, mais Serge, il va encore faire une vidéo d'une demi-heure. C'est pas possible. Il faut qu'il arrête. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires sur ce film. Likez la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse, c'est important, ça me motive à continuer, hein. N'oubliez pas, moi je le fais pour moi ces vidéos, mais je le fais également pour vous, donc j'attends vraiment vos réactions. Voilà, j'aimerais créer une communauté qui est vraiment une réelle interaction entre vous et moi. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, vous abonner, partager. N'oubliez pas, cette chaîne, c'est aussi pour vous que je fais ces vidéos-là. N'oubliez pas. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye !